Alors, Danny Kempf, le retour, toujours pour Trial Vidéo. Est-ce que tu as deux minutes à accorder pour une interview? T'as 2 minutes? 5 minutes? Hein? 2 minutes? 2 minutes, c'est long. Hein. 2 minutes, c'est long. Alors, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu deviens? Eh ben, je suis à la retraite au point du boulot. Ah, d'accord. T'as déjà travaillé, toi? Oui, il paraît. Disons, j'ai au moins cotisé pour la retraite. D'accord. Sans travailler. Ça marche. Et sinon, je fais toujours un peu de trial. Un peu de trial, ouais. De la voile aussi. Hein? De la voile aussi, on va dire. Oui, c'est vrai ou c'est... Ouais. Oui, je fais de la voile. Ouais. Dis-nous un peu tes exploits, ton plus grand voyage. Ta plus grande traversée. Plus grande traversée, c'était... C'est le Rhin. Oui, par exemple. En 2014. Le Rhin, mais par le pont. Hein. Et sinon, le motoclub, alors, tout va bien? Ben, le motoclub existe toujours sur le papier, mais ouais. Il est en sommeil. D'accord, il est en sommeil. Bon, on va tâcher de le réveiller un petit peu. Oui, c'est dommage, c'est un bon club comme ça qui a organisé tellement de compétitions dans le passé. Oui. Hein? Vous avez fait combien de fois l'Urbès? Plus de 30 fois. Ouais. Et 2 trials indoor. Oui. On passe un coucou à Daniel Young et à Muriel Young qui sont, grâce à eux, donc on a réussi à, enfin, vous avez réussi à mettre ça sur pied. Oui. Et puis moi, je m'excuse envers eux parce qu'ils ont tout fait pour m'aider à l'époque. Et comme j'étais un peu teigneux, eh ben, je foutais un peu le souk. Et puis j'en profite pour leur passer le coucou et leur dire à quel point je leur tends la main à nouveau. S'ils veulent me contacter, qu'ils ont la main tendue. Hein? C'est bien. Voilà, voilà. Daniel, ils devraient reprendre un peu une vieille moto et puis ils nous rejoignent. Hmm? Bah, oui, c'est au programme. Il y a que je renouveau un peu d'argent. Parce que je suis un peu en difficulté de ce côté-là. Mais bon, on ne peut pas raconter ma vie non plus. Je pense qu'on va couper court. Et puis, on te remercie. Daniel, ouais. Ici, qui est il y a encore un truc. Que devient Claude Maurer? Claude Maurer, la femme de... Bah, c'est pas Claude, c'est la femme, oui, c'est vrai. Claude, c'est Marc. Marc, oui. Mais ouais. Les deux font du trial à l'ancienne. Ouais. Et ils vont bien. Voilà. Ils reviennent? Oui, ils vont bien, oui. Ouais, ok. Là, ils sont pas là parce que c'est un peu loin, ils habitent à Fontaine. Et voilà. Et il y a donc Jean-Michel Primaire aussi, à qui on passe le coucou, importateur JT Racing à l'époque. Oui, ouais. Et maintenant, importateur Scorpion des casques. Ouais, ça j'ai appris par Dominique, il m'a dit ça. Il importe des casques Scorpion. Alors voilà, on leur passe un petit bonjour à tous et à Calimero aussi. Oui, Calimero qui m'avait. C'est mon beau-frère. C'est ton beau-frère. Eh oui. Il m'avait suivi dans une zone une fois à Urbès où j'avais foutu un soupe pas possible ensuite. Comme je suis tendance un petit peu parano, j'aime pas être suivi. Ah j'aime bon. Pas qu'on. Parce que je sais plus qui avait porté réclamation. Et puis je me souviens qu'il m'avait suivi et puis j'avais foutu un peu le soupe une fois de plus dans les zones. Et donc je fais mon mea culpa aujourd'hui. que tous les motoclubs où j'ai foutu le bordel, que tous les trialistes me pardonnent au nom du pied, du Saint-Esprit et du Saint-Anneau. Voilà. Ça marche? Oui, impeccable. Salut Nathalie. À la plus. Merci. On sent les restes de l'ancien professionnel, de l'ancien international.